Vous êtes résident sur le territoire français, vous avez 5 ans de présence régulière, dont 5 années de titre de séjour, peu importe les détails, 1 an, 2 ans, 10 ans, 4 ans. Vous pouvez donc demander la naturalisation française par décret ou par déclaration. Les conditions sont presque les mêmes. Il faut d'abord être détenteur de 5 années de titre de séjour. Une fois que vous l'avez, il faut justifier d'une stabilité professionnelle dont on recommande la stabilité qui est un contrat à durée indéterminée. Dans certains cas, pour les personnes qui travaillent pour la fonction publique ou bien pour l'administration, vous n'avez pas l'obligation de justifier d'un CDI car on ne donne pas pour les contractuels, il n'y a pas de CDI. Maintenant, il faut que vous soyez un citoyen parfait, pas de condamnation, donc veillez à consulter ou à demander l'effacement de vos différents casiers, délits, ainsi de suite. Ensuite, il faut justifier aussi des bonnes mœurs, donc ne pas avoir été condamné pour quelque chose, pour proxénétisme, violence conjugale, violence sur mineurs, ainsi de suite. Ensuite aussi, il faudra donc être à jour dans vos paiements de vos dettes, ainsi de suite, au niveau des impôts, donc le trésor public. Vous pouvez avoir des dettes de la maison ou ainsi de suite, ça ne dérange pas. Il faut maîtriser la langue française, avoir signé le contrat d'intégration républicaine ou bien avoir obtenu la dispense pour des gens qui ont eu des diplômes en France, ainsi de suite. Donc, sur vos avis d'imposition, vous devez être à plus de 16 000 ou 17 000 euros en fonction du SMIC, dont la somme de 12 mois de SMIC par an sur les 3 derniers avis d'imposition. Et aussi, il y a d'autres choses que vous devez avoir, donc votre acte de naissance, votre passeport, titre de séjour en cours de validité et tout ça. Ça se demande sur ANEF pour la demande par décret. La demande par déclaration se fait en préfecture, soit en prenant un rendez-vous, soit en envoyant un dossier par voie postale à la préfecture. Pour ceux qui veulent déposer une demande de naturalisation, sachez aussi que vous aurez l'entretien d'assimilation qui aura lieu en préfecture et aussi au commissariat. Donc, n'hésitez pas d'acheter ce livre qui est disponible sur Amazon, qui vous prépare aux questions généralement posées lors de cet entretien. Si la vidéo a répondu à votre interrogation, n'hésitez pas à liker et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi.